is critical because this is what convinces people to accept, to legitimize total biometric surveillance. If we want to stop this epidemic, we need not just to monitor people, we need to monitor what's happening under their skin. What we have seen so far, it's corporations and governments collecting data about where we go, who we meet, what movies we watch. The next phase is the surveillance going under our skin. We're now seeing mass surveillance systems established even in democratic countries, which previously rejected them. And we also see a change in the nature of surveillance. Previously, surveillance was mainly above the skin. Now it's going under the skin. Governments want to know not just where we go or who we meet, above all, they want to know what is happening under our skin. What's our body temperature? What's our blood pressure? What is our medical condition? Now humans are developing even bigger powers than ever before. We are really acquiring divine powers of creation and destruction. We are really upgrading humans into gods. We are acquiring, for instance, the power to re-engineer life. I know that in recent years, we saw populist politicians undermining deliberately the trust that people have in important institutions like universities, like respectable media outlets. These populist politicians told people that, say, scientists are this small elite, disconnected from the real people. I mean, all this story about Jesus rising from the dead and being the Son of God, this is fake news. Humans are now hackable animals. You know, the whole idea that humans have, you know, this, they have this soul or spirit and they have free will and nobody knows what's happening inside me. So whatever I choose, whether in the election or whether in the supermarket, this is my free will. Oui, bah donc alors Lucien Cerise, dans la foulée là de ce qu'on vient de voir, donc je vous signale en fait un petit livre là que vous pouvez acheter qui est à l'entrée de la salle, Gouverné par le chaos. Donc il y a un livre que j'ai publié en 2010 et qui parle déjà de tout ça en fait, hein, parce que bon, c'est pas très compliqué à comprendre. En fait, c'était possible de l'anticiper dans la mesure où en fait je connaissais la grille de lecture du pouvoir et sa méthodologie qui s'appelle la cybernétique et donc qui ne distingue pas fondamentalement entre le vivant et le non-vivant. Hein, nous sommes tous des systèmes, et en fait, la différence entre moi et mon réfrigérateur, c'est juste une question de température. Moi, je suis à 37,2 à peu près, et lui, enfin, un peu moins, quoi. Donc, en fait, c'est les différences entre les objets vivants et les objets inanimés, hein, puisque nous sommes tous des objets de ce point de vue-là, c'est une différence quantitative, c'est pas une différence qualitative. Donc, voilà, c'est des différences de degré, pas des différences de nature. Donc, moi, je travaille sur ces questions-là de cybernétique sociale, ingénierie sociale, en fait, et transhumanisme depuis une vingtaine d'années. Je vais vous exposer dans le cours de la soirée, en gros tout ce que j'ai écrit déjà là-dedans en fait, hein, et que vous pouvez retrouver donc en fait en résumé, en synthèse sur une centaine de pages. Alors pourquoi je m'intéresse à tout ça? Alors j'ai commencé un cursus universitaire en philosophie, ensuite je suis allé sur la communication et puis la linguistique. J'ai commencé à m'intéresser au transhumanisme parce que bon, je mets bien la science-fiction et que bon, c'est un thème de science-fiction évidemment classique. Hein, mais j'ai vu assez rapidement, j'ai pressenti assez rapidement que ça allait trouver des applications bien réelles, bien concrètes et qui ne se limiteraient pas en fait à des lubies hein, de milliardaires hein, californiens. Mais que ça risquait de devenir coercitif. Hein, et là, depuis 2 ans et demi plutôt, c'est en train de s'imposer de manière coercitive par la ruse, hein, mais aussi par la violence, hein, mais essentiellement par la ruse. Je pense que là, pour ce qui est des présentations, je fais le tour. Hein, donc je passe la parole à Philippe. Bonsoir à tout le monde. Philippe Bobola, j'ai un parcours pluridisciplinaire, ça m'a amené, j'ai commencé par la physique, ensuite j'ai enchaîné sur la biologie, l'anthropologie et la psychologie, psychanalyse.
Je me suis intéressé à ces problèmes à peu près aux mêmes années que Lucien Cerise sur les nanotechnologies. Vous savez, c'est toute cette technologie qui est à l'échelle du nanomètre. Le nanomètre, c'est la taille d'une molécule. Et à l'époque, je me rendais compte qu'on était en train de dériver vers une espèce d'invasion de notre intériorité, où effectivement on concrétisait des travaux qui avaient été déjà lancés dans les années 60, notamment un dénommé Delgado, qui avait installé des puces dans le cerveau d'un taureau. Vous voyez que ça donne à un taureau qui charge. Et on pouvait l'arrêter net dans sa charge, ou au contraire, à un taureau calme, on pouvait l'amener à charger. Et donc je me suis dit que les nanotechnologies, c'était l'introduction de la technologie à l'intérieur. D'ailleurs, c'est dit par Yuval Noah Harari. Je reviendrai sur lui en quelques mots. Quand il dit sous la peau. Voilà. Et donc le but, c'est de nous transformer en objets connectables, puisque vous avez tous peut-être entendu parler de Baudrillard. Baudrillard, c'est un sociologue français qui a écrit un ouvrage qui a marqué les esprits, Simulacre et simulation, et il avait annoncé que progressivement la distinction entre l'objet et le sujet allait disparaître au point que le sujet devient un objet. Donc vous voyez bien qu'on commence à parler d'objets connectables, et si il y a une fusion objet-sujet, nous allons devenir des sujets connectables. Et donc à partir de là, le plan de développement de civilisation est complètement différent, évidemment, puisque le maître mot, c'est le contrôle absolu. D'ailleurs, c'est dit dans les petits extraits, contrôler notre température, contrôler nos émotions, savoir si on ment, etc., etc. Donc c'est le fantasme d'un contrôle absolu. Alors comme Lucien Cerise, je me suis beaucoup passionné pour la science-fiction. Et je me suis rendu compte que la science-fiction avait déjà introduit ces notions. Et donc, vous avez un poète qui s'appelle Reich, Rainer Reich, qui disait: l'avenir s'infiltre en nous pour s'y transformer bien avant son arrivée. Donc, c'est comme si les films de science-fiction préparaient le terrain pour qu'ensuite, dans un second volet, ces technologies puissent arriver. Voilà, alors évidemment, je donnerai des éclairages à différents niveaux. Évidemment, on aura immanquablement une réflexion sur la technique, l'importance de la technique, et puis tout ce que ça entraîne en termes de technostructure. Alors, en quelques mots, Yuval Noah Harari, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un historien. Hein, il a obtenu en 2002 à la Jésus School, d'ailleurs c'est assez amusant parce qu'il est athée, aux États-Unis, un doctorat en histoire. Sa spécialité, d'ailleurs, c'est la science, l'histoire médiévale. C'est un médiévaliste, comme on dit. Et il est devenu le théoricien du Forum économique mondial. Il a écrit trois livres qui ont été très médiatisés. Le premier, il s'appelle Sapiens, c'est une brève histoire de l'évolution. Le deuxième, c'est Homo Deus, l'homme devient Dieu. Bien, voilà, Dieu est mort et donc c'est l'homme qui devient Dieu. Et ça s'appelle Une brève histoire de l'avenir. D'ailleurs, ça ressemble étrangement au titre de Jacques Attali. Et puis alors, Grande innovation, 21 leçons pour le 21e siècle. C'est vrai qu'il fallait y penser. C'est son troisième ouvrage. Alors, on le voit beaucoup sur les plateaux. Il est présenté comme le philosophe, historien, théoricien du transhumanisme. Et donc, le but, c'est de hisser une technologie au rang de philosophie. Voilà. Alors tu vas rebondir? Oui. En fait, on est bien placé pour parler de tout ça, hein, puisqu'on est à 2 km, hein, du Forum économique mondial, et puis peut-être à 3 km de l'OMS, hein, qui travaille main dans la main avec donc le fameux forum et son président Klaus Schwab, qui se réunissent tous les ans à Davos, donc un petit peu plus loin à l'est de la Suisse. Hein. Effectivement, c'est tout. On voit qu'il y a en fait une convergence entre. Parce que c'est quoi le Forum économique mondial? C'est le syndicat du grand capital, hein, c'est le syndicat des grands patrons au niveau mondial. Donc il y a une convergence entre le capitalisme,
mais aussi l'étatisme, hein, enfin, je veux dire, en gros, enfin, par exemple, tout le système du crédit social chinois, par exemple, est piloté par un État, hein, fondamentalement, là, c'est encore l'État qui contrôle les choses, et puis donc, effectivement, la cybernétique, hein, qui chapeaute le tout, hein, parce que, en fait, toutes les différences politiques classiques, hein, c'est-à-dire entre libéralisme, étatisme, etc., finalement, sont, comment dire, abrasées, hein, sont annulées, rendues obsolètes, anachroniques par la cybernétique, hein, qui travaille en fait à égaliser absolument tout c'est en fait dans une perspective utopiste parce que en fait qu'est-ce que c'est que l'ingénierie sociale? Bon, moi je définis ça de la façon suivante, c'est la ruse au service de l'utopie. L'ingénierie sociale, le terme apparaît au 19e siècle hein, sous la plume donc de Frédéric Le Play qui est un ingénieur des mines français. Auparavant, il y a le concept de physique sociale qui apparaît sous la plume donc d'un Belge, un physicien belge, Adolf Köttler. Et puis, et sinon, en fait, bon, bah, en gros, l'utopie, de toute façon, ça, c'est vieux comme Platon, hein, puisque c'est le premier grand texte utopiste en Occident, c'est La République, hein, écrit en 300 avant Jésus-Christ à peu près. Et donc, en fait, qu'est-ce que traduit hein, le besoin, enfin le style de pensée de l'utopie, hein, ou le style utopiste, c'est un fantasme prométhéen, progressiste, hein, d'organisation scientifique de la société et de l'humain. C'est un projet d'organisation rationnelle, enfin d'optimiser la rationalisation, la rationalité de l'existence humaine, et donc d'en finir avec l'irrationnel. Donc c'est un fantasme en fait de conscience de soi qui parviendrait. Enfin, c'est un peu le cogito cartésien qui dit omniscient, omnipotent, qui se connaît lui-même, qui en fait parvient à en finir avec toute forme d'inconscient. Et donc ça c'est le grand projet utopiste hein, qui traverse la civilisation occidentale en fait pour se réaliser, pour s'imposer. Puisque bon, c'est pas très très engageant, enfin, genre, ça donne pas envie, pour se réaliser, hein, et pour se réaliser aujourd'hui, on le voit hein, depuis 2020, donc utilise l'intimidation, mais utilise aussi des stratégies, hein, utilise la ruse. Et donc là, c'est la deuxième branche, hein, la deuxième jambe de l'ingénierie sociale, c'est la ruse. C'est-à-dire les stratagèmes, le piratage, hein, mais ce qui consiste, ça vient des milieux justement du piratage informatique. Il y a un pirate informatique des années 80, 90 qui a récupéré cette notion de social engineering pour lui donner cette connotation, hein, donc de piratage des systèmes de sécurité. Toujours pareil, hein, dans cette approche cybernétique où on ne distingue plus la machine de son utilisateur. Et là, en l'occurrence, il s'agit de pirater l'utilisateur de la machine. Donc, pas besoin de faire du code informatique, il faut savoir faire du code psychologique, en fait, hein. C'est puisqu'on va attaquer hein, le codage de l'utilisateur de la machine. Il s'agit en fait de rester furtif, hein, c'est-à-dire le but est de pénétrer l'intérieur du système de sécurité furtivement en fabriquant le consentement de l'utilisateur de la machine à ce qu'il s'ouvre à moi. Parce que bon, évidemment, bon, si le système reste fermé, eh bien, voilà, je suis obligé de l'attaquer frontalement. Mais à ce moment-là, je suis vu. Hein, le but c'est pas vu, pas pris. Hein, la furtivité, c'est ça. Le piratage, ça consiste en fait à faire lever hein, les défenses immunitaires, enfin, ou les faire baisser plus exactement, les défenses immunitaires cognitives, hein, psychologiques, de ma cible humaine, puisque tout est décrit de manière un peu machinique, hein, enfin, un peu objective. Donc, vous n'êtes plus que des cibles. Mon objectif, moi, en tant qu'ingénieur social, en fait, c'est de rentrer à l'intérieur de votre code comportemental, hein, donc de votre esprit, pour aller vite, pour le restructurer. Hein, ce que disait récemment Klaus Schwab donc, au G20, hein, qui disait « nous devons restructurer le monde ». Bon, et là, on est vraiment dans le vocabulaire, la phraséologie hein, de l'utopie. Et donc, bon, alors, Schwab, en fait, a pris le parti pris, enfin, a pris la décision de tout déballer. En revanche, effectivement, pour ensuite déléguer
en quelque sorte le travail hein, au gouvernement, hein, aux gouverneurs locaux en quelque sorte, bon bah là, il y a le stratagème de la Covid-19 hein, ou du SARS-CoV-2 qui a été utilisé hein, pour en fait servir, enfin comme le dit très bien Harari et comme le dit aussi Schwab et Thierry Malleret, puisque dans leur livre à quatre mains, La Grande Réinitialisation, la crise sanitaire nous offre une fenêtre de possibilité pour restructurer ce monde. D'opportunité. Oui, voilà, une fenêtre d'opportunité, une fenêtre de tir, voilà, puisque nous sommes des cibles. Donc, en fait, il faut, pour bien, en fait, finalement, soutenir le rapport de force hein, avec cette oligarchie mondialiste, il faut la connaître, il faut connaître sa méthodologie, connaître comment elle fonctionne, hein, et c'est pour ça, hein, bon, même si c'est un peu répulsif, enfin, c'est un peu tout ça, en fait, cette approche, en fait, hein, très chosifiante de la subjectivité humaine, qui nous transforme en objet, nous devons nous initier à cela. Hein, pour ensuite mieux contrer justement cette approche. Voilà, je te repasse la parole si tu souhaites. Oui. Alors les grandes stratégies, on pourrait disserter pendant des heures, mais déjà premièrement, la stratégie de la distraction. Donc vous avez vu qu'on est distrait en permanence. Vous savez, c'est le principe du voleur à la tire. Il essaye d'attirer votre attention pour abaisser votre vigilance, quoi. Deuxièmement, on crée un problème pour mieux le solutionner. Donc, c'est exactement le Covid. Et un problème créé, on le solutionne en restructurant la société. Et on a une fenêtre d'opportunité. La stratégie de la dégradation progressive, ce que j'appelle du fascisme homéopathique 5CH, c'est-à-dire on dégrade chaque jour. Vous avez vu les hôpitaux, enfin, etc. On donne souvent cette métaphore de la grenouille qui est mise dans une eau tiède et puis on augmente progressivement la température, elle ne s'en rend pas compte. Donc ce qu'on constate, c'est que leur plan, y a toujours un grain de sable, hein, heureusement d'ailleurs, c'est pas juste leur plan. Donc ils ont dû accélérer. En accélérant, ils se sont démasqués. Alors un des pères de l'ingénierie sociale, c'est Édouard Mernès, il disait... que le gouvernement qui met en place les mesures doit être invisible. Et la phrase exacte, c'est la manipulation consciente et intelligente des opinions et habitudes arrangées des masses joue un rôle important dans une société démocratique. Ceux qui manipulent ce mécanisme social imperceptible forment un gouvernement invisible et dirigent véritablement ce pays. Donc à partir du moment où l'invisible devient visible, hein, ça change la donne. Après, il y a la stratégie du différé. On ne fait pas les choses tout de suite, mais on les diffère dans leur mise en place. Et donc, les gens disent « Ah, j'ai le temps ». Puis, évidemment, ça avance lentement, mais sûrement. Après, on s'adresse aux enfants, aux citoyens comme à des enfants en bas âge, surtout en France. Donc, en fonction des pays, on voit bien qu'en Allemagne, on s'adresse au niveau institutionnel plus en termes adultes qu'en France. En France, on est vraiment des garnements, il faut mettre notre masque, on a des amendes, etc. On s'adresse plus à l'émotion, voire à l'émotionnel qu'à la réflexion. On encourage les citoyens à se maintenir dans l'ignorance et la bêtise. On encourage les gens à se vautrer dans leur ignorance, ils en sont fiers, vous voyez, c'est un argument. Il y a le fait qu'on remplace... les révoltes par la culpabilité ou les colères par la culpabilité, et puis surtout on comprend mieux le cerveau que les citoyens eux-mêmes. Voilà à peu près 10 stratégies qui vous donnent, vous repérez à quel niveau on en est dans tel ou tel pays. Vous voyez, on a beaucoup avancé au niveau français. Alors le projet derrière tout ça, il y a on pourrait appeler ça le nazisme 2.0, donc je ne vais pas me répéter, j'avais fait une conférence en duo avec Jean-Dominique Michel, on l'avait développé, mais on voit bien, c'était une réflexion d'Anna Arendt qui constatait que peut-être le fascisme international ou le totalitarisme international avait sacrifié l'Allemagne parce que leur plan d'arriver à une maîtrise absolue, globale, totale, avait échoué. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? On a créé les grands organismes. Il y en a beaucoup en Suisse, hein. L'OMS,
l'ONU, le Front monétaire international et tous ces grands organismes que le général de Gaulle appelait les grands machins, eh ben, nous ont enlevé notre pouvoir. Vous voyez, il y a une espèce d'instance supérieure qui est là pour diriger le destin de l'humanité. Alors, vous avez vu ce qui caractérise Klaus Schwab, que certains appellent le batracien intergalactique, vu son physique. C'est que c'est froid. Vous voyez ce que je veux dire? Yuval Noah Harari, c'est froid. On a l'impression qu'ils n'ont pas de dimension humaine. Et derrière tout ça, on arrive, puisque Klaus Schwab a annoncé la mort de Dieu, hein, ça avait déjà annoncé par Nietzsche, mais enfin, il l'annonce, hein, toute la Bible, tout ça, c'est des fadaises. Leur objectif, c'est d'avoir un humain augmenté qui est débarrassé de tout ce qui fait la nature humaine, c'est-à-dire l'affect, l'irrationalité, qui est à la fois ce qui caractérise l'humain, quoi. Voilà. Et pas d'émotion. Et donc, le but, c'est d'arriver à transformer les gens progressivement en cyborgs, entièrement programmables, contrôlables et contrôlés. Alors, le transhumanisme, comment on pourrait le définir? C'est un courant de pensée qui considère qu'il est profitable pour ceux qui le souhaitent d'augmenter l'humain par la technologie afin d'étendre, dit-il, le champ de nos libertés, de nos possibilités. Alors, il y a plus concrètement, il y a trois piliers. L'augmentation cognitive, plus d'empathie, c'est pas flagrant pour Yuval Noah Harari, plus d'intelligence, plus d'abstraction. Il y a une obsession de ralentir le vieillissement, vieillir sans maladie. C'était déjà Frankenstein Junior, hein, bannir la maladie de l'être humain. Ralentir le vieillissement, voire supprimer le vieillissement, et peut-être même supprimer la mort. Et puis, il y a ce qu'on pourrait appeler l'augmentation cognitive, prosthétique, pardon, les prothèses. On rentre dans le monde des prothèses, des exosquelettes. On pourra être des individus en mesure de connecter notre quotidien. Alors, le premier cyborg, officiellement, c'est un cybernéticien, voilà, un ingénieur social qui s'appelle Kevin Warwick. Et en 2005, il s'est fait implanter une puce et il est très content, on est heureux pour lui, il peut ouvrir son garage à distance, il n'a pas besoin de clé, son bureau, sa femme aussi, sa voiture, il est très content. Voilà, il nous avait promis que grâce à ça, on aurait la télépathie, mais vous voyez, le programme n'a pas été à la hauteur de leurs ambitions. Et puis le but, c'est de nous amener dans une technostructure, et c'est un peu le fantasme de la physique classique. Vous voyez, vous avez en France un mathématicien, un astronome qui s'appelle le marquis de Laplace, voilà. Il a fait tous les régimes, hein. Il était très opportuniste, il a passé la révolution, après la contre-révolution, et pour lui, il considérait que la physique classique pouvait aboutir à une espèce de déterminisme absolu. Si par exemple, vous avez une voiture qui est garée à un endroit donné, ce qu'on appelle en physique les conditions initiales, vous lui imposez une trajectoire rectiligne, sans décélération ni accélération, supposons que cette voiture se déplace à 100 km/h, ben vous pouvez en permanence savoir où se trouve la voiture sur cette trajectoire rectiligne. En une demi-heure, elle a parcouru 50 km, en une heure 100 km, en deux heures 200 km, voilà. On a appelé ça le démon de la place. Il envisageait un être omniscient qui sera en mesure de pouvoir calculer le devenir du monde. Alors, à cette proposition, William Blake, qui était graveur, poète et révolté, a répondu « Dieu nous protège de la pensée unique et du sommeil de Newton ». Vous voyez, c'est quand même étonnamment prophétique. Il avait compris que la science allait supplanter les disciplines qu'on met dans les sciences humaines et qu'elle allait s'imposer par la calculabilité et la quantification. Et Martin Heidegger, qui est un des grands penseurs de la technique, disait « La pensée méditante a été remplacée par la pensée calculante, la calculabilité, la quantification. » Donc l'idée, c'est que nous sommes réduits à des chiffres ou des nombres, nous sommes des individus connectables, et à partir de là, pour eux, parce qu'il y a une espèce d'angoisse de perdre le pouvoir, qui est propre aux paranoïaques, c'est d'avoir une traçabilité absolue. Et donc, avoir une traçabilité, c'est d'abord notre téléphone portable, et puis après,
c'est angoissant pour eux, sous la peau, avec des puces qui permettraient en permanence de pouvoir contrôler. Alors c'est assez amusant parce que finalement, leur technologie repose sur la physique quantique, qui est l'inverse du monde newtonien qui, lui, est déterministe. C'est un monde probabiliste, le monde quantique aléatoire. Et donc, c'est deux mondes qui s'affrontent, un monde où rien n'est déterminé et un monde où on va vers l'hyper-détermination. Alors, en France, il y a un des grands penseurs de la technique qui a été mis de côté parce que dérangeant, Jacques Ellul, qui avait déjà compris ça en 1955. Il va écrire un ouvrage que je vous recommande qui s'appelle « La technique, l'enjeu du siècle ». Qui avait compris que le problème, on passait du machinisme à un monde technique et que la technique allait prendre son autonomie, allait s'affranchir, et que finalement, le problème, c'est pas le capitalisme, c'est la technicité c'est qui allait engendrer la technostructure. Alors la technostructure, c'est quelque chose qui est éminemment dangereux, puisque Ninette Vaquin, qui a écrit un ouvrage qui s'appelle « Frankenstein ou les délires de la raison », nous dit que les technostructures pourraient constituer pour notre âme un camp de concentration d'autant plus redoutable qu'on ignore être en prison. Mais voilà. Et on est tous, vous voyez, si je prends les gens de ma génération, je calculais mieux il y a 30 ans que maintenant. Je suis plus capable de se faire ce que je faisais parce que, d'une certaine façon, j'ai eu une atrophie par non-utilisation. On voit bien, les jeunes générations deviennent extrêmement dépendantes de leur portable, qui devient un prolongement de leur cerveau. Et donc, ils ont moins de mémoire que les gens de ma génération, parce qu'effectivement, quand ils cherchent quelque chose, ils regardent sur le téléphone portable. Et la pensée unique, ça s'appelle Wikipédia. Moi, quand j'enseignais dans les dernières années de l'université, il y a des étudiants qui disaient « c'est pas dans Wikipédia ce que vous dites hein. », comme si c'était la vérité absolue. Et donc, on est rentré dans une technostructure. Mais, on va voir, ça, c'est le projet, vous voyez. Maintenant, vous avez vu les moyens. Lucien a rappelé la phrase de Kevin Mitnick, que finalement, l'ingénierie sociale, c'est la ruse, le piratage, c'est rentrer dans le système centrale des gens, quoi. Enfin, voilà, le hard. Ouais, et déjà, vous voyez, le fait de comparer un être humain à un système informatique piratable, ça veut dire qu'on est déjà réduit à un système d'ordinateur. Alors, en France, il y a un transhumaniste convaincu, enfin, j'espère pour lui qu'il est convaincu, parce que ça serait dommage, qui s'appelle le docteur Laurent Alexandre, voilà, bien connu, qui nous dit l'homme qui vivra deux siècles est déjà là, ben, je regarde, je ne le vois pas. Et puis deuxièmement, il disait, dans quelques années, faire l'amour dans un lit virtuel avec une femme imaginaire sera la même chose que de faire ça dans la vraie vie. Je pourrais peut-être lui donner quelques leçons, parce que je pense que ce n'est pas la même chose. Alors, derrière tout ce fantasme, on voit bien les théoriciens nazis, il y avait Vacher de la Pouge, le comte Gobineau, c'est la structure pyramidale. Alors, la société idéale, c'est la fourmilière ou la termitière ou la ruche d'abeilles. Parce qu'il y a une structure pyramidale. Si on prend une ruche, ben, vous avez une reine. Et vous voyez qu'on communique par des phéromones, qui sont des hormones envoyées à l'extérieur de la reine. Et à ce moment-là, ben, il y a les ouvrières qui ne peuvent pas se reproduire, qui sont castrées. Et tout fonctionne autour de la reine, qui est assignée à pondre. Et tout fonctionne bien. Donc, vous remplacez les phéromones par des impulsions électriques, vous voyez, des ondes électromagnétiques, parce que vous êtes devenus des objets connectables, bah, vous avez la vision de Vacher de la Pouge, mais revisitée et améliorée par la technologie. Si tu veux rebondir. Mmh. Oui, sur le Gestell, notamment. Alors, on est en Suisse, donc j'imagine que vous comprenez en allemand ce que ça veut dire. En fait, c'est l'arraisonnement, si on traduit ça en français, c'est l'encadrement hein, et donc dans le vocabulaire de Heidegger, c'est l'encadrement du vivant par la technologie. En fait, il y a un processus qui est en cours, hein, qui est un processus donc d'encadrement du numérique par le biologique. Hein, donc c'est ce que disait Klaus Schwab dans son livre sur la sixième révolution industrielle. La quatrième, oui. Révolution industrielle 4.0. Oui, oui. et c'est en fait, nous allons vers la fusion du biologique et du numérique.
En fait, ce ne sera pas la fusion, parce que ça se fera à l'avantage du numérique. Ce que disait Baudrillard, c'est que en fait, l'objet est plus fort que le sujet, tout simplement parce que l'objet est insensible. Alors que en fait, nous, on passe notre temps à nous adapter finalement aux objets. Et en fait, c'est les objets qui mènent la danse en réalité. Donc en fait, le numérique l'emportera sur le biologique. Nous sommes donc dans un processus d'encadrement du vivant par du pseudo-vivant. Ça c'est un concept que j'ai inventé, donc je vous le soumets. En fait, hein, et là je fais une combinaison hein, aussi de Baudrillard, hein, qui parlait beaucoup donc du pseudo, l'ère des simulacres, l'ère de la simulation, puisque en fait le vivant est en train d'être encadré par l'intelligence artificielle, donc par de la pseudo-intelligence. Hein, l'intelligence artificielle est une simulation de l'intelligence naturelle ou de l'intelligence réelle. Ça c'est le processus général en fait. Hein. Donc nous sommes, nous, en vivant, mais bon, pas que les êtres humains en fait, hein, les animaux, les fruits et les légumes ont déjà subi ce sort hein, avec les OGM, organismes génétiquement modifiés, hein, donc c'est du vivant encadré par du non-vivant hein, ou du pseudo-vivant, et avec le sort qui leur a été réservé, c'est-à-dire la stérilisation. Hein, en général, les OGM, hein, produits par Monsanto ou par d'autres semenciers, en général, le but, c'est de stériliser le vivant, de stériliser la nature, hein, pour ensuite permettre en fait, de contrôler le processus de reproduction. En vendant, hein, c'est-à-dire en fait en monnayant la production naturelle, en monnayant les semences. Donc là, on voit un vaste processus qui consiste à détruire la nature, hein, qui est le processus même du capitalisme, puisque bon, la nature est gratuite et décentralisée. Et le capitalisme, c'est exactement le contraire, hein, puisque tout est payant hein, et tout est centralisé. En ce sens, on peut introduire une distinction entre le capitalisme et le libéralisme. Le libéralisme est sympathique, je dirais, en théorie, hein, sur le papier, hein, puisque finalement c'est un appel à la responsabilité individuelle et à l'émulation, hein, en fait, avec les mécanismes concurrentiels. Mais bon, ça n'existe que sur le papier, puisque le libéralisme, en réalité, très, très rapidement dérive vers le capitalisme, hein, qui, donc lui, est un phénomène d'appropriation, d'arraisonnement, et qui converge, en fait, c'est quasiment synonyme de ce transhumanisme, hein, et du phénomène, enfin, du processus historique de la technoscience, hein, décrit par Heidegger en un mot, hein, le Gestell. Tout cela aussi donc, a été traité par Naomi Klein, hein, dans son livre de 2006, je crois, enfin traduit en français en 2006, la doctrine du choc, pardon, enfin, The Shock Doctrine, enfin la stratégie du choc en français, sous-titré sur le capitalisme du désastre, donc qui décrit bien en fait comment le capitalisme exploite hein, les catastrophes. Un pas plus loin, on peut se demander dans quelle mesure les catastrophes ne sont pas produites. Hein, elle sous-entend hein, dans son pavé qui fait 500 pages qu'en réalité ça peut aller plus loin puisqu'elle fait un parallèle entre cette exploitation des chocs économiques, hein, avec les techniques de mind control, hein, de MK Ultra, testées par la CIA, notamment sur des cobayes humains dans les années 50, et en gros, même jusqu'à aujourd'hui, puisque en fait, elle prolonge l'analyse des programmes de MK Ultra avec l'analyse en fait, des techniques de torture. Avec des techniques de torture aujourd'hui qui sont politiquement correctes, c'est-à-dire qu'il n'y a plus vraiment d'effusion de sang. Hein, ça consiste par exemple à vous passer des chansons, des comptines pour enfants 24 heures sur 24 à plein volume. Donc à la fin, les gens deviennent complètement fous. Mais on ne leur a pas arraché les ongles, ils ne sont pas ensanglantés, ils n'ont pas d'hématome. Mais c'est de la torture psychologique. Aujourd'hui, à Guantanamo, c'est essentiellement la torture psychologique. Et en ce qui reste de torture physique, c'est le washboard, hein, je crois que ça s'appelle comme ça en anglais. C'est une simulation d'étouffement. Mais bon, voilà, vous n'avez pas de traces, hormis psychologiques, en tout cas pas de traces visibles. Donc là, on voit qu'il y a en fait tout un travail hein, de furtivité. Et ça rejoint encore cette notion de piratage. Hein. C'est-à-dire que le pouvoir...
d'une certaine manière, essaye d'humaniser ces techniques de torture et ces techniques de contrôle social et de mind control de masse, hein, puisque ingénierie sociale, ça ne s'applique pas simplement à quelques prisonniers à Guantanamo ou je ne sais où. Non, c'est en fait de la torture de masse. Ce que nous avons subi en 2020 hein, avec le confinement, c'est tout simplement un enfermement, en fait, hein, mais au sens carcéral du terme. Donc on voit s'appliquer dans la société civile des techniques de contrôle social de type carcéral. Donc je décris tout ça dans mon bouquin. Hein, enfin, franchement, bon, je ne fais que me répéter, que me paraphraser. En France, on a un certain Alain Bauer. Alors, pas Jacques Bauer, en fait, qui était ici il y a peu de temps. C'est un autre Bauer qui travaille beaucoup là-dessus. Enfin, qui est donc... qui était conseiller de Sarkozy et qui travaille sur la justice prédictive. Enfin, c'est un criminologue qui travaille sur la justice prédictive, c'est-à-dire en fait comment enfermer les gens ou comment pénaliser les gens avant qu'ils passent à l'action, avant qu'ils passent à l'acte plus exactement. C'est-à-dire en fait sur la base d'une probabilité de passage à l'acte. Ça porte aussi le nom de criminologie actuarielle. Donc en général, quand je parle de ça, enfin en conférence ou avec des amis, tout de suite ça fait tilt et ils pensent à Philippe K. Dick et Minority Report. Voilà, ça c'est l'illustration cinématographique la mieux connue. Donc enfin, quand je lisais beaucoup de science-fiction, en fait c'était surtout deux auteurs, enfin deux auteurs américains, donc Philippe K. Dick, parce qu'il y a une vraie philosophie hein, dans son œuvre, et puis Frank Herbert, hein, Dune. C'est pareil, ça va au-delà simplement des vaisseaux spatiaux, etc. Parce qu'il y a une vraie réflexion sur la technoscience, et puisque dans son univers imaginaire, les humains, à un moment, se retrouvent à s'affronter aux machines intelligentes, aux machines pensantes. Hein, comme il y a eu un syncrétisme religieux entre les trois monothéismes, donc les humains mènent le djihad butlerien, butlerien parce que d'après le nom de Butler, enfin qui est une sorte de Jeanne d'Arc en fait de l'époque, qui mène donc le combat en fait pour la survie de l'humanité contre les machines pensantes qui se sont retournées contre les humains. Donc ça, c'est un thème classique, hein. Bon, Terminator et Matrix, et encore auparavant, 2001, l'Odyssée de l'espace, hein, puisque en fait le film de Kubrick, qui est une adaptation en fait d'un livre, enfin d'un roman de d'une nouvelle au départ, d'une nouvelle, oui, enfin voilà, c'est ça. Merci. Donc en fait, il met en scène l'histoire de l'humanité, hein, dont le moteur est la technique, en fait, puisque l'histoire de l'humanité commence avec la prothèse, hein, enfin, c'est-à-dire l'invention d'une arme, puisqu'on voit les australopithèques, là, qui en fait, se battent à main nue, en quelque sorte, et puis il y en a un qui découvre qu'avec un os, en fait, je serai plus fort, je serai plus efficace pour taper sur mon adversaire. L'outil, hein, la prothèse, augmente le corps, hein, mais en même temps, en fait, elle le diminue dans une certaine mesure, puisque si je suis plus fort avec une prothèse, avec une arme, en même temps, c'est à main nue, je serai plus faible, puisque je perdrai en quelque sorte l'aguerrissement en fait, physique qui me permettait auparavant d'être plus fort sans la prothèse. Donc bon, il y a comme ça une dialectique en fait, hein, de bénéfice-risque en fait, mais bon, l'être humain a une fâcheuse tendance à entrer dans une espèce de fuite en avant et à se laisser séduire, hein, par le bénéfice qu'il voit à court terme, hein, ce que tu disais tout à l'heure, on perd en capacité de calcul mental avec nos calculatrices. Alors certes, avec ma calculatrice, je peux faire du calcul que je suis incapable de faire par calcul mental, parce que je ne suis pas un autiste génial qui est capable de calculer, comment dire, avec mon petit cerveau, des chiffres, des suites de chiffres astronomiques. Mais bon, voilà, il y a effectivement en fait un gain et une perte. Et alors donc dans l'univers de Frank Herbert, hein, donc à un moment, bon bah voilà, en gros, l'humanité est attaquée par sa propre créature, hein, c'est tous aussi les mythes littéraires, Frankenstein ou l'apprenti sorcier, le golem, hein, ma création plus exactement, en fait se retourne contre moi. Et ça c'est mis en scène aussi chez Kubrick là dans 2001. Et puis dans toute la science-fiction, Terminator et compagnie. Suite en fait à une guerre donc de l'humain contre la machine,
qui fait des milliards de morts, hein, puisque c'est sur plusieurs planètes, hein, eh bien, il y a un moratoire universel, hein, qui est décidé pour interdire les machines intelligentes dans l'univers de Frank Herbert. Parce que, voilà, d'un seul coup, l'humanité, l'espèce humaine, s'est retrouvée en danger d'extinction, en danger d'extermination. Mais le problème, c'est que ça nous concerne, nous, aujourd'hui. C'est-à-dire que nous sommes en danger de génocide, en fait. L'espèce humaine est aujourd'hui, du fait de cet encadrement, hein, du vivant par le pseudo-vivant, nous sommes en danger de mort. Donc il faut vraiment, là mon but c'est de vous stresser, hein, intentionnellement en fait. Hein. Je ne sais pas si vous connaissez Laurent Ozon, qui est un intellectuel français qui parle beaucoup de ça, c'est-à-dire que pour en fait faire de l'ingénierie sociale d'une certaine manière, hein, c'est-à-dire pour en fait travailler à déclencher des comportements, il faut parfois stresser un peu les gens. Bon là je le fais gentiment, enfin je veux dire, c'est la pédagogie aussi, hein, passe par le stress. Hein, donc voilà. Mais bon, je pense qu'il ne faut pas sous-estimer, hein, ce grand remplacement, hein, non pas des Européens par les Africains, ce n'est qu'une partie du problème, mais en fait de l'humain par la machine, qui est en cours, ça a commencé. Et si on y prend garde, eh bien ça ira jusqu'à son terme. Et nous deviendrons dans un premier temps des objets connectés, puisque bon, un sujet connecté, en fait, n'est plus un sujet connecté. Ça devient un objet connecté. Tu pourras peut-être parler de l'oxyde de graphène, là, ce truc-là. Et je termine ma prise de parole et puis je te relance là-dessus. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, un sujet connecté, en fait, c'est un objet connecté, fondamentalement. C'est le but, effectivement, avec donc l'implantation de puces ou de même, en fait, enfin, d'objets encore plus. Parce qu'à une époque, on parlait beaucoup des puces RFID, vous vous souvenez, c'est la taille d'un grain de riz. En fait, mais aujourd'hui, c'est la taille du nanomètre. Non, mais voilà, c'est ça. C'est encore, ça va plus, encore plus loin. Vous avez peut-être entendu parler aussi du brevet là, en fait, hein, il y a plusieurs brevets en fait, hein, que ce soit chez Elon Musk ou chez Bill Gates, qui travaillent beaucoup sur les interfaces corps-machine ou les interfaces cerveau-machine. En fait, ce ne sont pas des anticipations de science-fiction. Hein, c'est du réel, c'est du concret. Il y a tout un travail en fait, hein, pour effectivement réaliser, hein, comme disait Schwab, cette fusion du biologique et du numérique, mais présenté comme ça, c'est de l'ingénierie sociale. C'est-à-dire qu'en fait, présenté comme ça, finalement, c'est égalitaire en fait, hein, nous ne serons pas aliénés par la machine. Non, en réalité, ce sera un encadrement complet et ce sera en fait une aliénation du biologique par le numérique. Voilà, je te repasse la parole. Oui, alors tu as cité Dune et Philip K. Dick. Il y a deux auteurs qui ont eu des visions différentes sur cet aspect de la technologie des robots. Hein. Isaac Asimov, qui va écrire son œuvre la plus célèbre, c'est le Fondation. Et il disait que un robot n'est pas une machine quelconque, c'est une machine fabriquée pour imiter au mieux l'homme. Voilà. Donc on est en compétition avec la machine. Ce que dit d'ailleurs Laurent Alexandre, je vais continuer un peu dans la psychologie de stress. dans quelques années, pour l'entretien d'embauche, on vous demandera qu'est-ce que vous pouvez apporter de plus qu'une machine ou qu'un robot. Donc on voit bien que on n'a plus besoin de masse salariale. Et donc, un robot est plus intéressant puisqu'il n'a pas de congé maternité, il n'a pas besoin de vacances, il peut travailler 24 heures sur 24. Voilà. Alors, tous ces aspects-là, on les retrouve dans la science-fiction, à tel point qu'on peut considérer que les auteurs de science-fiction sont des éclaireurs dépêchés par l'humanité pour explorer l'avenir. Donc, je vous invite à relire ces auteurs de science-fiction. Ils reviennent de leur exploration de l'avenir porteur de recommandations touchant à l'avenir de l'humanité et surtout la mise en garde de l'anéantissement de l'être humain. Et donc il y a tout un courant de littérature de science-fiction qu'on appelle le courant cyberpunk, où effectivement ces relations entre les hommes et les machines, on va dire l'homme et l'ordinateur, l'intelligence artificielle, sont abordées. Alors il y a trois types d'intelligence artificielle. Il y a l'intelligence artificielle faible, celle qu'on va avoir au début,
Donc on aura des robots. C'est déjà le cas en Chine. Il y a quelqu'un qui, un ami journaliste, qui est parti en Chine faire une série de reportages. Et quand il arrivait dans un immeuble à Pékin, dans un hôtel à Pékin, il avait un petit robot qui l'appelait « Bonjour Frédéric, comment vas-tu? » Alors il a trouvé ça ridicule au départ. Puis il me dit, à la fin d'un mois là-bas, il s'était attaché, quoi. Et, vous voyez ce que je veux dire? Il a fait un petit travail de deuil parce que le robot lui a dit « Au revoir Frédéric, bon retour. » Donc voilà, alors vous pouvez imaginer dans une société où on souffre de solitude, on commence à mettre au point des robots. Alors ça, vous voyez, ça joue sur les fantasmes, le double. Donc imaginez que vous ayez un robot qui vous dise exactement ce que vous voulez entendre. Que vous soyez homme ou femme, bah, vous signez, vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, alors ça c'est l'intelligence artificielle faible. Après l'intelligence artificielle forte, c'est ce qu'on veut nous proposer par la suite, c'est-à-dire. Votre vie sera réglée par l'intelligence artificielle. Si vous lisez la révolution industrielle 4.0, l'administration, la gouvernance se fera par une intelligence artificielle. Et puis vous avez l'intelligence artificielle générale. On commence déjà à faire de la recherche. Alors vous avez toute une série de, je les appelle moi les affreux, voilà, parce qu'ils ont vraiment, on en a un qui s'appelle Ray Kurzweil. Il prend 100 pilules par jour. Ça lui revient à 1 000 dollars pour empêcher le vieillissement. Visiblement, quand vous le regardez sur Internet, ce n'est pas très efficace. Voilà. Il ne se pose pas la question de la compatibilité. Là, son obsession, c'est une peur de mourir, vous voyez, et de laisser. Et leur but, c'est de revenir à la mythologie telle que celle qu'on nous a enseignée au lycée. Là, on prend par exemple la mythologie gréco-romaine. Bah, il y avait des dieux qui étaient immortels, les demi-dieux qui étaient. Mi-divin, donc, et mi-mortel, qui avait une durée de vie plus longue, et puis il y avait les simples mortels. Et donc, vous voyez bien que ce n'est pas une entreprise humaniste, ça, c'est la carotte, l'ingénierie sociale ruse. On nous fait miroiter un allongement de la durée de vie, sans maladie, voire un prolongement de leur durée de vie. Et donc, c'est très séduisant, on aura plus la possibilité d'avoir des projets, des rencontres, des développements, se lancer. Dans différentes activités, qui n'a pas rêvé d'avoir plusieurs vies. Mais ça sera réservé qu'à ceux qui pourront se l'offrir. En plus, on nous fait miroiter plus de résolution de problèmes abstraits, complexes, davantage de ressentir, plus d'empathie, de morale, d'éthique, à la fois pour l'individu qui se sentira mieux exister que pour la société. Et puis surtout, vous pourrez commander à distance, comme un dieu qui déclenche l'ouverture de son garage ou sa chaîne Wi-Fi. Voilà. Alors vous pouvez imaginer qu'il y aura des robots qui vont faire des courses, des robots qui vont faire le ménage, etc., etc. Mais derrière tout ça, il y a un asservissement de l'humanité. Et donc Philippe K. Dick pensait que l'homme allait être abaissé au rang de robot. Et Isaac Asimov, qui était un scientifique, hein, il a développé ce qu'on appelle la hard science-fiction, lui pensait que les robots allaient être hissés au niveau humain. Il y a même une très jolie nouvelle qui s'appelle L'homme bicentenaire, qui a donné un film où un robot a tout l'humain, la sensation, l'intelligence. La seule chose qu'il puisse pas avoir, c'est la mort. Et donc, il demande à avoir la possibilité de mourir tel un humain. Et on lui fait cet honneur d'avoir des pièces qui ne seront pas renouvelables jusqu'à ce qu'il puisse mourir. D'ailleurs, pour la petite anecdote, quand Arthur C. Clarke a présenté. Non, quand Stanley Kubrick a présenté son film 2001, l'Odyssée de l'espace, Isaac Asimov, qui avait fait les lois de la robotique, donc un robot ne peut pas détruire un être humain, il doit obéir aux ordres d'un humain, sauf si ses ordres sont défavorables à l'être humain, et puis il doit sauver sa vie, sauf si, en sauvant sa vie, il met en péril la vie d'un être humain. Et donc, vous avez vu 2001, l'Odyssée de l'espace, qui est un des films phares de la science-fiction, où il y a un robot qui s'appelle HAL, qui va intenter à la vie de gens qui sont en hibernation. Et si vous décollez HAL, ça vous fait IBM, HI, AB, vous décalez d'un rang. Donc l'idée d'avoir des robots qui régulent notre vie, c'est déjà le cas en Chine. Je vous signale que beaucoup de procès se font par intelligence artificielle. Et donc il y a deux pays qui actuellement mettent le paquet sur l'intelligence artificielle, c'est les États-Unis et la Chine. Alors, évidemment, si vous avez compris, là on vous donne vers quoi on va. Mais c'est une potentialité, mais on a aussi nous-mêmes une fenêtre d'opportunité. Si on expliquait aux gens ce qu'ils risquent de vivre dans le reste de leur vie ou leurs enfants, leurs petits-enfants, personne ne signe. C'est la raison pour laquelle, comme le dit le pirate informatique Kevin Mitnick,
L'ingénierie sociale, c'est l'art de la supercherie, du mensonge, de la ruse, ce qui n'est pas nouveau, puisque déjà Platon dénonçait la fraude au nom. Vous voyez ce que je veux dire? Est-on en démocratie? Qu'est-ce que c'est qu'une démocratie? L'a-t-on déjà été? Je trouve que c'est un formidable moment, même si c'est éprouvant, parce que on est dans un processus qui avait été lancé en 68, mais qui n'a pas été jusqu'au bout, de démythologisation, de déstructuration. C'était le projet du structuralisme 68 pour faire émerger les vraies structures et les vraies logiques de notre société. Donc déjà, on rend visible l'invisible. La deuxième chose, c'est que quand on a compris ça, c'est terminé. Qui va signer pour ça? C'est à nous de comprendre. Il y a une logique, alors on n'est pas les seuls à vous le dire, hein, des grands noms de la science comme Stephen Hawking avaient dénoncé le danger de l'intelligence artificielle, parce qu'une fois que vous mettez la main dedans, vous allez grignoter progressivement l'être humain au profit de cyborg pour arriver jusqu'à 100% de cyborg. Et c'est de la fin de l'espèce humaine, telle qu'on l'a connue, l'humaine nature. Donc, le prix à payer, c'est de continuer à être mortel. Après, chacun sa conviction religieuse. Moi, je crois qu'il y a une vie après la vie. Mais voilà, mourir, c'est changer de temps, changer d'état. Donc, évidemment, si vous êtes accroché comme notre batracien intergalactique avec sa petite vie étriquée, vous accrochez comme vous pouvez, quoi. Vous voyez, il faut les voir presque en pitié, quoi. Enfin, je veux dire, j'ai vraiment pitié d'eux parce que c'est... Je me mettais à la place de ces oligarques. Vous êtes maintenant maître du monde, mais je m'ennuierais. Vous imaginez, vous vous levez le matin à 6 heures du matin, vous faites vos 3 longueurs de piscine, comme doit faire Klaus, puis vous allumez votre ordinateur pour voir l'ensemble du monde et vous êtes satisfait, vous êtes le maître du monde. Quelle vie ennuyeuse, hein. Je veux dire, c'est une pauvreté, quoi. Donc, derrière tout ça, effectivement, ça nous amène à reprendre notre souveraineté, et de comprendre aussi que les choses, c'est des potentialités qui nous sont offertes, et c'est à nous de ne pas les actualiser. Et donc, je vais finir, mais je vais repasser la parole, on verra quelles options on a. Alors déjà, c'est un monde horizontal, hein, il n'y a pas de verticalité, hein, on nous annonce que Dieu est mort, qu'il n'y a pas de vie après la vie, que... En fin de compte, c'est une haine de l'humain qui est en train de se passer. C'est la haine de l'humaine nature, c'est la négation de toute forme de spiritualité, de transcendance. Il ramène tout à de la matière. Et donc, quand vous regardez les grands théoriciens du transhumanisme, c'est souvent des informaticiens ou des physiciens, et ils ne connaissent rien dans le vivant. Vous voyez ce que je veux dire? Le vivant ne se réduit pas à l'inerte. Voilà. Leur monde, c'est ce qu'appelait André Breton, il faisait la différence, André Breton, entre les métaphores ascendantes et descendantes. Alors, c'est quoi une métaphore ascendante? Donc, on raconte cette histoire que Kikaku rend hommage à son maître Basho, qui est un maître des Haku, vous savez, ces petits poèmes très courts, et lui dit « Une libellule, je lui arrache les ailes, un piment ». Et Basho lui dit « Non, un piment, je lui mets des ailes, une libellule ». Vous voyez, c'est complètement différent. Vous transformez l'inerte en vivant ou vous abaissez le vivant en inerte. Quand je vois, il voit en noir et blanc. Vous voyez, la définition exacte de Klaus Schwab, c'est faire une fusion entre la dimension physique, biologique et numérique de l'être humain. Physique, c'est-à-dire on sent que c'est une prise de possession. Là, c'est ça la définition exacte. Alors, il faut avoir conscience que la technique, la technologie a son devenir propre. Quand on a accepté les objets jetables, c'est vrai que c'est plus pratique d'avoir un Kleenex qu'un mouchoir. C'est plus pratique d'avoir un stylo à billes que d'avoir ses stylos plumes. Mais vous voyez bien que ça se déploie dans le temps. Un petit peu comme dans 2001, l'Odyssée de l'espace. Au départ, on a un os qui est un prolongement de la main. C'est ce que disait Henri Bergson. L'outil est une extension d'un membre de l'être humain, le levier, la voiture, etc. Et il disait que l'homo faber a fait l'homo sapiens. La mot sapiens, sapiens, j'ajouterais démence pour certains. Bon. Mais là, ce n'est plus du tout une augmentation de l'être humain, un prolongement, c'est une transformation. Vous voyez, on est dans la même prolongation que l'objet jetable, on devient des humains jetables. De même, les OGM,
animaux et végétaux, on les a rendus stériles. Donc vous voyez bien que le programme, c'est de changer notre génome, d'ailleurs pour le breveter. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que n'est brevetable que ce qui a subi un ajout de la part d'humains. À partir du moment où vous avez, peut-être que dans quelques années, on ne s'appartiendra plus, si vous avez un bout de génome qui vous avait été injecté, vous appartenez à Pfizer. C'est légal. Voilà. Je me souviens dans ce que j'avais lu au moment des OGM, il y a une vingtaine d'années, c'est malheureusement un patient cancéreux, il s'est retrouvé coté en bourse. C'était hallucinant. On avait étudié son génome qui malheureusement l'avait rendu malade avec un cancer rare. On a trouvé que c'était quelque chose qui était vendable. Et en fin de compte, à son insu, on l'a breveté. Vous voyez, c'est une sorte de brevetabilité du vivant. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'on a perdu notre principe de résistance. À partir du moment où on n'a pas compris que la technologie avait son développement propre, qu'elle prenait son autonomie, comme le dit Jacques Ellul, qu'elle prend le pouvoir, que l'objet est plus fort que l'humain, et bien à ce moment-là, on rentre dans leur ruse, la ruse de la raison. Mais à partir du moment où vous avez compris, bien c'est à nous de dire non. Oui, je vais revenir sur l'empathie qu'on peut éprouver pour des machines. Hein, parce que bon, il y a le processus historique décrit par Heidegger, donc de chosification de l'humain ou du vivant, mais aussi en parallèle depuis quelques années, il y a un processus d'humanisation de la chose, d'humanisation des machines, qui passe notamment par ce qu'on appelle le droit des robots. Hein, et qui consiste, il y a des avocats en France qui travaillent sérieusement là-dessus, qui consiste en fait à accorder des droits non pas aux propriétaires de machines, mais qui consiste à accorder des droits aux machines. C'est-à-dire en fait, bon, en gros, si un jour vous vous énervez sur un ordinateur qui ne marche plus ou qui marche, en fait, vous pourrez être effectivement traîné en justice parce que vous aurez violenté en fait votre ordinateur. Enfin, ça, je résume, mais c'est et donc en fait, il y a tout un travail sur l'empathie artificielle. Hein, c'est le terme, c'est le concept en fait qui a été divulgué il y a une dizaine d'années. Il y a eu des études en fait aux États-Unis et au Canada où en fait, les chercheurs de la Silicon Valley ou du MIT, je ne sais plus, posaient en fait un petit robot sur le bord de la route et attendaient que des gens s'arrêtent pour le prendre en autostop. Et ça marchait, ça marchait. C'est arrivé, des gens se sont arrêtés pour regarder ça. En fait, c'était un petit robot, alors qu'il ressemblait, en fait, pour susciter justement de l'empathie. Bon, il y a des stratagèmes qui sont appliqués. Enfin, c'est-à-dire qu'en fait, il faut que ça crée de la confiance. Enfin, et là, on est au cœur de l'ingénierie sociale aussi. J'y reviens juste après. Mais en fait, il faut que ça ressemble à un enfant, en fait. Il est petit, il a des grands yeux, une petite bouche, hein, parce que les yeux des bébés qui viennent de naître sont disproportionnés par rapport à nous. Donc ça, c'est essentiel. Hein. Il faut absolument qu'il ait des yeux immenses, parce que ça fait appel en fait à notre génétique. Là, on est programmé génétiquement pour éprouver une émotion d'empathie pour en fait un être avec une petite bouille. Hein. Voilà. C'est arrivé. Alors il a mal fini sa carrière parce que quelqu'un finalement en gros l'expérience en fait a commencé à être connue en fait. Hein. Donc il y a des gens qui se sont dit mais c'est en fait que c'était quelque chose de finalement d'inhumain, hein, d'essayer de provoquer des émotions humaines pour en fait un morceau de métal. Quelqu'un un jour s'est arrêté, hein, et c'est le nom du robot. Enfin, le nom de l'expérience c'était Hitchbot, et le robot en fait s'est retrouvé à la poubelle. Enfin, c'est quelqu'un s'est arrêté, il l'a pris, l'a fracassé sur une poubelle et l'a jeté. Et ça a été filmé parce qu'il y avait une caméra de surveillance qui a filmé le. Et ensuite il y a eu une campagne en fait, hein, pour dire qu'il fallait accuser cet individu de meurtre. Hein, c'est-à-dire que non mais ça et donc. Voilà, donc en fait, nous sommes trop sensibles, hein, peut-être. Hein, enfin, en tout cas, il y a beaucoup d'humains, trop humains, voilà. Il y a aussi une expérience qui est en cours en ce moment, c'est pour créer des enfants numériques.
Donc là, on va encore plus loin dans la dématérialisation, hein, puisque ce ne seront pas des petits, des substituts, hein, en fait, de bébés en chair et en os, non, mais des substituts métalliques, hein, ou plastifiés. Non, là, ce seraient des enfants numériques, en fait, qui seraient uniquement dans le métavers, enfin, c'est-à-dire dans le cyberespace. Des enfants Tamagotchi, c'est-à-dire qu'ils n'existeraient même pas matériellement, hein, et que les parents pourraient malgré tout prendre dans leurs bras, mais avec des lunettes de réalité virtuelle et des gants, hein, pour simuler les sensations. Donc en fait, bon, ça, alors justement au niveau des stratagèmes, donc il y a eu le covidisme, hein, pour nous faire entrer, pour fabriquer notre consentement au transhumanisme. Donc il y a le covidisme, puisque c'est pas fini, hein, je dis il y a eu le covidisme, c'est loin d'être fini, et il y a le réchauffisme, hein, aussi. Voilà. Et donc dans tous les cas, on voit que il s'agit en fait de nous prendre par les sentiments, hein, et de nous prendre aussi en fait de comment dire ça, de cultiver le pouvoir transhumaniste essaie de cultiver la confiance, hein, vis-à-vis de ses cibles humaines, c'est-à-dire nous. Alors Kevin Mitnick définissait l'ingénierie sociale comme étant en fait un abus de confiance, hein, par usurpation d'identité. Donc les ingénieurs sociaux alors usurpent l'identité soit du sauveur, soit de la victime. C'est-à-dire qu'en fait, bon, il y a une figure d'analyse transactionnelle qui s'appelle le triangle de Karpman, hein, et qui modélise les interactions sociales dans un schéma à trois places. Donc le bourreau, la victime, le sauveur. On a tendance, hein, en fait, hein, de manière semi-consciente, un peu subliminale, en fait, à vouloir occuper l'une de ces places, en général plutôt la victime ou le sauveur, quoique dans certaines cultures, le bourreau, hein, c'est-à-dire le guerrier, par exemple, en tout cas dans des cultures justement très, enfin, martiales, viriles, la place en fait du tueur, en quelque sorte, hein, enfin, était une place d'honneur aussi. Alors nous sommes dans des cultures droits de l'hommiste, etc. Donc tout ça c'est terminé. Donc nous sommes dans des cultures postmodernes où en fait c'est la victime qui est portée au pinacle. Enfin, c'est la victime qui devient en quelque sorte le roi de la société ou la reine. Donc, en fait, les ingénieurs sociaux qui fabriquent notre consentement au transhumanisme, en fait, essaient d'occuper la place donc du sauveur. Hein, là, en l'occurrence, le bourreau, ça va être un virus, ou alors ce sera le réchauffement climatique. Ou les complotistes, éventuellement, oui. Et donc, nous, évidemment, nous autres, nous sommes les victimes, hein, évidemment, et le pouvoir, hein, arrive en tant que sauveur. Hein, et voilà, et donc, et le tour est joué. Et donc là, le pouvoir, en fait, a mis en place une structure d'ingénierie sociale de type piratage, hein, c'est-à-dire, en fait, il usurpe la place, il usurpe l'identité du sauveur, hein, il abuse de votre confiance, voilà. Alors ça c'est quelque chose qu'il faut vraiment, ça c'est mon apport personnel. En fait, l'ingénierie sociale, ça consiste essentiellement à prendre le contrôle des relations de confiance, d'indifférence et de méfiance dans un groupe, pour réécrire le lien social à volonté. Quand vous prenez le contrôle à volonté, hein, de ces trois types d'émotions, en fait, hein, d'affect, eh bien vous pouvez commencer à réécrire les groupes. Enfin, réécrire le lien social, c'est recomposer les groupes. Par exemple, en faisant monter la méfiance entre deux parties. Par exemple, si j'étais mal intentionné, si je faisais de l'ingénierie sociale en fait pour vous nuire, bon, donc là, j'ai votre confiance, hein, puisque vous êtes venu m'écouter, etc. Et ensuite, bon, je pourrais essayer de faire monter la méfiance entre tous les individus du groupe, hein, pour essayer de lancer des mécanismes de guerre de tous contre tous, ou alors en fait créer de la méfiance scinder le groupe en deux, hein, créer un schisme pour vous faire affronter deux sous-groupes à l'intérieur du groupe. C'est des mécanismes de conflit triangulé. Voilà, donc il s'agit en fait dans dans l'intersubjectivité, hein, dans le lien social. Ça, il faut être conscient que le lien social est structuré par ces trois types de relations, parce que même l'indifférence est une sorte de relation, hein, comme dit Paul Watzlawick, hein, l'école de Palo Alto. On ne peut pas ne pas communiquer. Hein, donc je peux aussi simuler l'indifférence. C'est une manière d'envoyer un message. Donc c'est une manière de communiquer.
Et voilà, donc prendre le voilà, ça c'est des on pourrait dire des conseils, enfin des trucs d'ingénierie sociale, parce que ensuite la question c'est que faire, hein, qu'est-ce qu'on et donc alors il faut tous se former, nous devons tous devenir des ingénieurs sociaux pour en fait inverser, faire de la contre-ingénierie sociale et inverser l'ingénierie sociale du pouvoir, c'est-à-dire faire monter la méfiance vis-à-vis de Klaus Schwab et de son forum économique mondial, faire monter la méfiance vis-à-vis en fait de tous les oligarques transhumanistes qui nous conduisent au génocide. Et par ailleurs, rétablir la confiance, hein, là où elle a été dégradée, là où elle a été impactée. Hein, rétablir la confiance entre les gens normaux, je dirais, pour aller vite, entre les cibles finalement du pouvoir, hein, rétablir la confiance entre comment dire, les covidistes et les anti-covidistes, rétablir la confiance entre les réchauffistes et les anti-réchauffistes, parce que bon, il faut. Ça fait un courant d'air. Hein. vous voyez, donc en fait, nous pouvons hein, travailler, mettre les mains dans le cambouis en quelque sorte, parce que là, l'ingénierie sociale, ça consiste vraiment à prendre le contrôle du lien social. Hein, il s'agit en fait de ne pas se laisser hein, faire par les autres. Nous sommes responsables de la structure du lien social dans lequel nous évoluons. Et là, je vous fournis en fait des pistes en fait hein, pour décrypter justement ce que c'est que le lien social et commencer à travailler dessus. Donc voilà, donc toujours cultiver la confiance hein, vis-à-vis de vos cibles, hein, parce que bon, quelque part, il faut se former à la méthode de l'ennemi. Donc considérez en fait hein, vos cibles, faut vous considérer que vous avez des cibles. Mais c'est pour leur bien, voilà. Et pour ça, il faut toujours cultiver la confiance, parce que si vous perdez la confiance de votre cible humaine, eh bien, automatiquement, hein, vous avez les défenses immunitaires qui se mettent en place, le pare-feu, hein, le firewall, en termes, si je fais une métaphore informatique, et justement, vous provoquez de la méfiance. Alors, parfois, il peut être utile aussi, il peut être opportun de cultiver l'indifférence. Hein, puisque bon, l'idée c'est toujours, dans un premier temps en tout cas, de rester furtif. Et bon, si précisément personne ne. Enfin, si vous arrivez en fait à mettre une cape d'invisibilité, en quelque sorte, une cape d'indifférence, eh bien vous n'êtes pas vu. Hein, et donc, vous n'êtes pas pris, vous pouvez avancer sous le radar. Voilà, donc ça, c'est des points de méthodologie en fait qui sont intuitifs. En réalité, mais bon, ça va toujours mieux quand on modélise, parce que les choses deviennent beaucoup plus claires, hein, et on peut se les approprier et en faire une technique, hein, et passer et devenir proactif sur ces questions-là, et ne pas simplement et ne pas se contenter de les appliquer intuitivement, parce que là, on est toujours un petit peu dans le flou, et puis c'est toujours un petit peu, en quelque sorte, quelque part, un peu, on reste dans l'émotionnel hein, quand on est dans l'application intuitive. Maintenant, quand on modélise hein, et quand on décrit les choses de manière schématique, on peut s'en rendre maître, mais vraiment par la pensée consciente, hein, la pensée rationnelle, et on peut commencer en fait à être vraiment proactif et à devenir véritablement acteur de sa vie à ce niveau-là, en fait, acteur du lien social. C'est-à-dire en fait être capable de le déconstruire et de le reconstruire, hein, de faire de la démolition contrôlée en quelque sorte, quand précisément en fait vous avez affaire à un lien social branlant en quelque sorte, hein, et qui menace de s'effondrer tout seul. Bon, bah, parfois il peut être opportun d'accélérer hein, l'effondrement, mais pour reconstruire dans un deuxième temps. Voilà, bon, c'est en fait c'est une attitude, hein, en fait c'est une approche des choses. Bon, c'est de la psychologie sociale, puis c'est de la psychologie tout court, hein, ni plus ni moins en fait. Hein. C'est mettre en conscience hein, des choses qui, la plupart du temps, sont inconscientes, hein, au niveau justement des techniques de communication et des relations, des relations humaines. Voilà, je te repasse la parole. Oui. Alors, je voulais revenir un tout petit peu sur le Japon est intéressant parce que c'est un peu le pays avant-gardiste pour nous amener vers ce monde virtuel. Donc, ce n'était pas dit dans l'extrait, mais le but du Forum économique mondial, c'est d'éliminer les inutiles. Donc, le terme a été utilisé par Laurent Alexandre, par Yuval Noah Harari, etc. Et pour ça, il y a deux solutions, c'est les drogues et le métaverse. Donc, vous avez compris. Et au Japon, on a des robots qui sont à l'image exacte de qui on est, au niveau du visage, c'est de plus en plus sophistiqué, comme si
vous établissiez un amour narcissique avec vous-même. Et donc, on a maintenant des moyens sophistiqués où vous entendez parler quelqu'un, vous savez repérer les mots-clés qui le font vibrer, et à ce moment-là, vous pouvez le manipuler. Le robot peut complètement vous niveler. Le but, c'est d'arriver à créer un lien psychologique, affectif, empathique entre vous et le robot. Et à partir de là, vous aurez du mal, comme cet ami qui a eu un petit travail de deuil à faire quand il a quitté son hôtel parce qu'il n'avait plus son petit robot qui l'accompagnait le matin et qui le recevait le soir quand il rentrait à l'hôtel. Donc ça, il faut en avoir conscience. Ils veulent établir une espèce de lien psychologique entre le monde des robots et vous. Alors, on voit bien, la méthodologie, c'est de comprendre vers où ils veulent nous amener. Ben, ils veulent nous amener vers une sorte de territorialisation. Il suffit de regarder, ben, ce soir, vous regardez le Forum économique mondial, vous avez 8 points. Le premier, c'est vous n'aurez rien et vous serez heureux. Donc, la plupart des objets, vous allez soit les louer, soit... ils vous seront prêtés par l'État. Alors, assez rapidement, vous voyez, prêter, louer. Si je déplais à l'État, ben, on me reprend mon ordinateur qui sera loué. Enfin, vous voyez, plus de livres, évidemment, tous les livres sont loués. Donc, il faut tout de suite avoir en tête qu'on va avoir une note de bon ou de mauvais citoyen. Donc, c'est assez intéressant de procéder ainsi, c'est-à-dire vers où ils veulent nous amener. Ben, ils veulent nous amener avec une territorialisation. Donc, si on réfléchit, à l'époque de Louis XIV, les paysans avaient une très forte territorialisation. Souvent, ils ne quittaient pas leur village natal. Ils allaient peut-être se marier dans la plus grande ville d'à côté, mais la majorité de leur existence, c'était à la ferme. Donc, on ne savait absolument pas ce qui se passait. Le but, c'est de vous faire une espèce de confusion entre la réalité et la réalité. Donc, Lionel Soly, qui a été conseiller... de Nicolas Sarkozy en matière de communication, disait « Il n'y a pas de réalité, seule la perception compte. » Donc voilà. Donc c'est ce qui a été dit en 2007. Yasmina Riza a écrit un ouvrage « L'aube du jour à la nuit » où elle raconte une partie assez décevante. Donc c'est une dramaturge qui a suivi la campagne électorale. Mmh. Et elle a été effondrée de voir que finalement, les politiciens veulent nous faire rentrer dans le troisième volet de la trilogie de Klaus Schwab, le grand récit. Donc, C'est Laurent Soly. Laurent Soly. Et voilà. La citation, c'est « La réalité n'a aucune importance, il n'y a que la perception qui compte. Voilà. » Voilà. Et donc, on voit bien que le but, c'est de nous limiter au niveau de la perception de la réalité. Donc, tout se passera par le biais d'un écran d'ordinateur. Voilà, vous n'aurez pas une perception parce que vous ne pourrez plus vous déplacer. Donc, c'est le premier point du forum économique. C'est résumé par « vous n'aurez rien et vous serez heureux ». Vous ne posséderez plus rien. Voilà, c'est ça. Ouais. En gros, nothing. Voilà, il n'y a donc plus de crainte de perdre, etc. Donc, c'est comme ça, d'ailleurs, qu'on veut mettre en avant l'identification numérique. Hein. Vous avez un enfant, il est kidnappé par un pédophile. S'il a une puce sous la peau, on le repère. Vous voyez, c'est toujours le même principe, c'est agir sur la peur. La gouvernance unique type les États-Unis est remplacée par une gouvernance multiple. Voilà. Vous allez moins consommer de viande, le prix des unités carbone va augmenter d'une façon hallucinante. On testera les valeurs occidentales jusqu'à leur point de rupture. Donc c'est un peu ce qu'on vit avec le mouvement LGBT. Il n'y a plus de frontières entre le masculin et le féminin, tout devient flou. Vous avez une exploration possible sur Mars, qu'on appelle la terraformation, essayer de reconstituer sur Mars les conditions qui ont permis la vie humaine sur Terre. Et puis, vous avez des grandes migrations du fait du réchauffement climatique. Le réchauffement climatique a pour but simplement de vous territorialiser. La guerre d'Ukraine a pour but d'achever au niveau énergétique l'Europe. Et donc, vous allez avoir des difficultés à vous déplacer puisque le carburant va augmenter. Donc, au bout d'un moment, on dit qu'il faut 2 points pour faire passer une droite. Si vous commencez à avoir la finalité, vous voyez, vous allez commencer à voir les choses différemment. Vous allez comprendre que tout est cohérent dans leur discours. Alors effectivement, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont un peu gênés, pas tous, hein, mais par cette approche. Mais maintenant, on a suffisamment de points pour aligner
une droite, c'est pas deux points qu'on a, c'est des centaines de points. Et vous voyez bien qu'on va dans cette direction où la réalité n'a plus d'importance, c'est votre rapport à la réalité, votre perception qui est plus important. Alors en 2006, Warren Buffett avait annoncé qu'il y avait une guerre que menait sa classe sociale, celle des riches, contre les pauvres, et le but, c'est de faire disparaître la classe moyenne. C'est vrai que la classe moyenne, elle est dérangeante, elle a accès à la culture. C'était quand même mieux pendant la période du Moyen-Âge, parce que les pauvres ne savaient pas lire. Donc n'importe quelle, on va dire, personne limitée du côté de la noblesse avait la supériorité de pouvoir lire et écrire par rapport à des paysans qui pouvaient être très intelligents. Il n'y a pas très longtemps, hein, d'ailleurs, il faut reconnaître que ça, le marxisme a donné une lisibilité. Les gens raisonnaient ainsi, je suis pauvre parce que mes parents étaient pauvres, mes grands-parents étaient pauvres, mes arrière-grands-parents étaient pauvres. Aussi loin que je remontais dans ma lignée générationnelle, je trouvais la pauvreté. C'était comme une caste ou un statut. Et de l'autre côté, je suis riche parce que mes parents sont riches, mes grands-parents sont riches, mes arrière-grands-parents sont riches. Aussi loin que je remonte dans mes lignées générationnelles, j'ai la richesse. Donc c'était deux droites parallèles qui se recoupaient. Pas, comme vous savez, deux droites parallèles se coupent, mais à l'infini. Donc, quand vous avez une vie incarnée et limitée, l'infini, c'est pas toujours évident. Et donc, à partir de là, vous avez compris vers où ils veulent nous faire passer. Vous avez compris que tout est ruse, la ruse de la raison dont parlait Hegel, et que c'est à nous de faire de la contre-ingénierie sociale. Je vais rajouter, peut-être après je repasserai la parole, qu'est-ce que la physique la plus élaborée peut nous amener à envisager comme stratégie, qui est une stratégie intérieure. Alors, au risque de vous décevoir, les révolutionnaires, quand on regarde, ils ont une espèce de vision de l'avenir, et quand on fait le bilan de toutes les révolutions, ça a renforcé le pouvoir de l'État. Donc toute révolution renforce le totalitarisme. Le révolté, lui, il n'a pas de futur, parce que le futur est la prolongation de son présent qui ne veut plus. Donc on pourrait dire, actuellement, il y a les révolutionnaires, mais on voit bien vers quoi ça nous amène, un renforcement de l'État, c'est ce qu'on n'a plus, le révolté, et puis vous avez l'homme révolté à la Camus, et puis vous avez le rebelle. Quelle que soit la catégorie à laquelle vous appartenez, le nom, c'est ni une philosophie, c'est un élan spontané qui nous fait dire oui ou non à une situation. Si vous avez encore quelque chose qui vibre en termes d'humaine nature, c'est non. Et à partir du moment où vous avez mis un non définitif dans votre vie, elle est différente. Vous avez fait une bifurcation, elle ne sera plus jamais comme avant parce que vous avez une percée de conscience et vous savez vers quoi on veut vous faire rentrer. Évidemment, si tout le monde adhérait, ils n'auraient pas besoin de faire tout ce cirque. C'est parce qu'ils savent très bien qu'on n'adhérerait pas à leur système qui est à notre défaveur qu'ils sont obligés de ruser. Et donc la technique, elle est toujours Janus. Bien sûr, un couteau, ça peut étaler délicatement du beurre sur une biscotte, mais ça aussi, ça peut poignarder une personne. De même, la bombe atomique, elle est utilisée pour le meilleur et pour le pire. Donc fondamentalement, la technique, elle est Janus, mais comme actuellement le pouvoir est entre les mains de perverses narcissiques, c'est toujours le côté négatif qui est mis en avant. Et donc, pour éviter le raisonnement, il y a toujours du bon. Pour l'instant, il n'y a pas de bon. Tant que le pouvoir en place, il est ce qu'il est. Tu veux rajouter quelque chose ? Oui, tu parlais de l'identité numérique. Donc, pour vous montrer que, en fait, ça, tout ça est préparé en amont hein, depuis des années. Donc, c'est dans mon bouquin, là, je citais donc un document de 2004. C'est le livre bleu du Gixel, en fait, c'est un acronyme, en fait, hein, c'est le lobby du numérique en France. Donc c'était le texte, c'est « Grand programme structurant, proposition des industries électroniques et numériques ». Donc ça date de 2004. Donc je vais vous le lire, parce que bon, j'ai la citation sous le nez. Donc cette tendance, la tendance justement, à l'insertion dans le numérique, donc est évidemment confortée par le pouvoir, comme on peut s'en rendre compte en parcourant les recommandations du lobby du numérique, le livre bleu du groupement des industries de l'interconnexion des composants et des sous-ensembles électroniques, Gixel. Alors, deux points, ouvrez les guillemets, je cite. Le passage de l'identité physique à l'identité numérique s'impose de plus en plus dans tous les milieux à cause du développement des TIC, hein, donc des technologies de l'information et de la communication, et en particulier de l'Internet. Acceptation par la population.
La sécurité est très souvent vécue dans nos sociétés démocratiques comme une atteinte aux libertés individuelles. Il faut donc faire accepter par la population les technologies utilisées et parmi celles-ci la biométrie, la vidéosurveillance et les contrôles. Plusieurs méthodes devront être développées par les pouvoirs publics et les industriels pour faire accepter la biométrie. Elles devront être accompagnées d'un effort de convivialité, par une reconnaissance de la personne et par l'apport de fonctionnalités attrayantes. Deux points, éducation dès l'école maternelle. Donc là, on est dans le conditionnement des mômes, quoi, en fait. Les enfants utilisent cette technologie pour rentrer dans l'école, en sortir, déjeuner à la cantine, et les parents ou leurs représentants s'identifieront pour aller chercher les enfants. Introduction dans des biens de consommation, de confort ou des jeux. Deux points, téléphone portable, ordinateur, voiture, domotique, jeux vidéo. Ensuite, développer les services cardless à la banque, au supermarché, dans les transports, pour l'accès Internet. La même approche ne peut pas être prise pour faire accepter les technologies de surveillance et de contrôle. Il faudra probablement recourir à la persuasion et à la réglementation en démontrant l'apport de ces technologies à la sérénité des populations et en minimisant la gêne occasionnée. Là encore, l'électronique et l'informatique peuvent contribuer largement à cette tâche. Voilà, c'est le site Pièces et Main-d'œuvre, hein, je sais pas si vous connaissez un site français de Grenoble, voilà, qui travaille beaucoup justement sur la critique de la surveillance électronique, etc., qu'il avait téléchargé, parce que maintenant, en fait, le Gixel a changé de nom, mais simplement, vous ne pouvez plus trouver ce document, en fait, hormis, en fait, chez moi, parce que je l'avais téléchargé, donc j'ai le PDF à domicile, et puis sur le site de Pièces et Main-d'œuvre. Parce que, tout simplement, en fait, tout est déballé, là, encore une fois. On voit bien qu'effectivement, il y a effectivement des stratagèmes à appliquer. L'un de ces stratagèmes, hein, c'est de créer en fait un sentiment d'urgence. Et là encore une fois, c'est tout est en source ouverte. Hein, vous tapez Wikipédia, enfin vous tapez conduite du changement. John Kotter. Alors c'est une méthode en fait de management qui s'appelle la conduite du changement, dont le but en fait est de faire, de fabriquer le consentement au changement en entreprise, hein, pour changer la culture d'entreprise. Évidemment, ça peut avoir des applications absolument partout, hein, évidemment, et aussi à l'échelle nationale, à l'échelle supranationale, internationale. Et donc, en fait, ce John Kotter, donc un universitaire, hein, de Harvard, a modélisé cette méthode donc de fabrique du consentement au changement en 8 étapes. Et la première étape, je vous passe les autres parce que finalement, après le reste, c'est assez secondaire. La première étape consiste à créer un sentiment d'urgence. Voilà, tout est là. Et là, on rejoint Naomi Klein, hein, et en fait. Et Jean Monnet. Jean Monnet, oui. Jean Monnet disait : les gens n'acceptent le changement que dans la nécessité, ne voient la nécessité que dans l'urgence. Et vous avez un économiste qui a reçu le prix Nobel d'économie, qui est le prix décerné par les banques suédoises. Hein. Ce n'est pas un vrai prix Nobel, au sens... Il a été créé en 69. Et Milton Friedman disait « Seul un choc réel ou imaginaire peut accélérer le changement. » Donc le but, il est clair. Hein. Et l'école de Chicago a testé cette approche en Amérique du Sud. Et ce qu'on a vécu, c'est l'expérience de Milgram à l'échelle nature. C'est le consentement... accepter la soumission, accepter, si vous connaissez l'expérience de Milgram.